Les gens, je vais vous raconter une histoire incroyable. L'histoire de comment j'ai rencontré Madame InShape. Tout commença dans un bar il y a 3 mois. Hey, what did you expect? Et voilà la véritable histoire de comment j'ai rencontré Madame InShape. Enfin la première parce qu'il y en a eu d'autres. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nous allons répondre à une question qui nous concerne tous. Ou une grande partie au moins, oui. Juste avant toute chose, je tiens à préciser que ça là, ce que vous voyez là. Oui, la coiffeuse m'a encore bizuté. Donc non, je ne sais vraiment pas ce que j'ai pu lui faire. À moins que ce soit parce que je suis sorti avec elle pendant 1 an et que je me suis aussi tapé sa mère pendant ce temps. Est-ce qu'elle aurait mal pris? Peut-être. Je ne saurai jamais. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. J'ai 21 ans et je vais à la salle 4 fois par semaine depuis 1 an. Bravo, c'est bon ça, je suis fier de toi. Damn. Je suis aussi étudiant et comme tu le sais, qui dit étudiant dit jeudi soir, qui dit jeudi soir dit bière. Et qui dit bière dit 11 bières. Pardon. Et qui dit bière dit se mettre une caisse énorme et sèche. Mais j'ai lu un article comme quoi boire une bière avait des bienfaits sur la santé et j'aurais aimé connaître ton avis. Merci pour toutes tes vidéos, grâce à toi j'ai perdu 15 kilos. Boum. Bravo à toi et surtout continue de tout donner et n'oublie jamais que tu es le meilleur. Ok les gens, imaginez c'est vendredi soir, fin de semaine, vous êtes à la salle en pleine congestion de l'espace quand tout d'un coup votre portable sonne et un pote vous appelle. À ce moment-là, 2 choix vont s'offrir à vous. Soit vous jetez votre portable contre le mur car personne ne doit oser vous déranger pendant une séance au temple. Soit vous répondez car vous avez un iPhone et ça fait chier de le jeter car ça commence à coûter cher ces merdes. Vous décidez alors de répondre et votre ami vous propose d'aller boire une petite bière des familles ce soir. Mais là, attention, vous le savez, vous en avez déjà fait les frais. Le coup du « viens juste boire une petite bière ce soir », ça n'existe pas. Ça sent l'embuscade à plein nez. Et si vous y allez, vous êtes sûr de pas être chez vous avant midi le lendemain dans un état tellement déplorable que même avec un filtre Instagram ou Retrica, vous aurez l'air dégueulasse, quoi. Après, vous pouvez toujours aller à la soirée sans boire d'alcool du tout. Mais vous savez que ça va être chiant car vous devrez vous justifier pendant 1000 ans en expliquant à vos potes que l'alcool, ce n'est pas la meilleure des solutions pour devenir énorme et sec. Au final, vous décidez donc de rester gentiment chez vous et de ne pas sortir ce soir. Et c'est en ouvrant votre 5e binouze une demi-heure plus tard que vous essayez de vous rassurer et de repenser à un article que vous avez lu disant que la bière avait des effets positifs sur la santé. Après, ça va être le cas seulement si vous en buvez avec motivation. Putain, motivation, modération. Pas quand vous affustez à l'happy hour comme un sagouin et que vous prenez 1 mètre de bière et une girafe avec les copains. Non. Premier point, Premier point, la bière va diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Dans une binge, vous allez trouver de l'alcool et de l'orge qui, consommés avec modération, peuvent faire baisser le mauvais cholestérol et favoriser le bon. Deuxième point, elle peut diminuer l'apparition du diabète. Le fait qu'il y ait de l'alcool et du houblon dans la bière permet d'augmenter votre sensibilité à l'insuline et de réduire, de limiter l'apparition du diabète. Mais si vous buvez avec excès et que vous vous mettez une cartouche de l'espace tous les week-ends, là ça va être l'effet complètement inverse. Troisième point, elle réduit le risque de calcul rénaux. Pardon. Dans la bière, qu'est-ce que vous allez trouver? Chaud. Hop là. De la levure, du houblon, du malt et de l'eau. Beaucoup d'eau. 93% d'eau les gens. C'est simple, c'est plus de la bière qu'il y a, c'est une piscine. La bière, comme son cousin le petit thé vert, va être un diurétique de l'espace. Il va vous aider à éliminer les toxines et les déchets contenus dans votre corps et nettoyer vos reins. Donc soyez sûr de vous quand vous allez commander au bar, car à partir du moment où vous allez prendre votre première gorgée, vous êtes condamné à faire des allers-retours entre la petite que vous chafouinez et les toilettes qui vont vous servir à éliminer la bière et qui vont aussi devenir votre QG. Et quatrième et dernier point, elle va aider à lutter contre Alzheimer. Que ce soit dans l'eau, dans l'air, dans la nature, dans l'espace ou tout simplement dans votre nourriture, l'aluminium est présent partout. Et en absorber en trop grosse quantité peut être à la longue nocif pour votre santé et causer des problèmes de mémoire. Et boum, le fait qu'il y ait du silicium et que la bière ait des propriétés antioxydantes, ça va vous protéger
contre ses effets. Bon, après, c'est sûr que si vous mettez une avoinée de l'au-delà à grands coups de blonde et de brune tous les soirs, c'est pas contre Alzheimer que vous allez lutter, mais c'est pour réussir à vous souvenir de la soirée d'hier. J'arrive, mon petit lapinou. Non. Après, il est important de se dire que ces études ont été faites sur des personnes qui buvaient de la bière avec modération. Car boire de l'alcool peut être vraiment dangereux et les risques de cirrhose et de cancer sont vraiment importants. Prendre une bière après la muscu n'est pas non plus super utile car l'alcool va empêcher l'élimination de l'acide lactique dans les muscles et donc provoquer des crampes et des courbatures et vous empêcher de bien récupérer. Donc, pour résumer les gens, si vous êtes à un apéro avec des potes et que vous voulez une bière, allez-y, ne vous privez pas. Mais ne vous sarsouillez pas le gosier et ne finissez pas le pack après être juste rentré dans l'appart. Après, si vous n'avez pas l'habitude d'en boire ou que vous n'aimez pas, restez au verre d'eau et au shaker de whey, ça sera parfait. Et voilà, j'en pense à mettre un pouce bleu énorme en bas de la vidéo, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez l'habitude de boire de la bière ou un autre alcool. Vous êtes sur des réductions pour les compléments alimentaires. Les liens sont dans la description. Et surtout les gens, n'oubliez jamais, au grand jamais, que vous êtes les meilleurs. Bon